Bonjour tout le monde. L'Ordre des infirmiers a pris position en décembre 2023 sur les pratiques non conventionnelles de santé, aussi appelées pratiques de soins non conventionnels. En juin 2023, l'Ordre national des médecins avait également publié un texte « État des lieux et propositions d'action » sur le même sujet. L'Ordre des infirmiers a accompagné sa position de 12 fiches très informatives qui dressent un bilan sur 12 de ces pratiques. Je salue ce travail utile de leur part et je me permets d'utiliser le contenu de leur fiche dans la vidéo que nous allons passer ensemble. Je note deux grands absents quand même dans la liste qu'ils ont fournie, qui sont l'homéopathie et l'ostéopathie. C'est vrai, mais c'est déjà pas mal. Alors je les remercie en avant pour cette vidéo sur la naturopathie. La naturopathie, aussi parfois appelée naturothérapie, se présente comme l'héritière de certains principes de la médecine posés par Hippocrate en Grèce antique, comme la théorie des humeurs, de l'Ayurveda originaire d'Inde, ou bien encore de la médecine traditionnelle chinoise. Derrière ce qui se veut un melting pot de toutes les médecines orientales et occidentales, se trouve essentiellement, en fait, le vitalisme allemand. Selon le philosophe André Lalande, le vitalisme est une doctrine d'après laquelle il existe en chaque être vivant un principe vital, entre guillemets, distinct à la fois de l'âme pensante et des propriétés physico-chimiques du corps, gouvernant les phénomènes de la vie. Le terme naturopathie, avec un Y, naît aux États-Unis en 1895, avant d'être popularisé par l'homme d'affaires américain d'origine allemande Benedict Lust, père spirituel de la discipline, qui rapidement dépose la marque. Marque déposée, naturopathie. Money, money, money. On croise régulièrement des marques déposées dans le monde des soins alternatifs. Cela pour but de s'arroger un territoire sur lequel on interdit aux autres de pratiquer, et même de critiquer. Ce territorialisme est l'une des raisons pour lesquelles ces pratiques se construisent, se défendent, évolue d'une manière qui les fait ressembler beaucoup plus à des religions qu'à des sciences. Il n'existe pas de discipline scientifique qui soit aussi une marque déposée, à ma connaissance. Si vous en avez sous le coude, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. A priori, c'est quand même extrêmement antinomique. Très inspiré par les théories hygiénistes, Benedict Lust définit la naturopathie essentiellement comme un mode de vie rigoriste fondé sur le refus du tabac, de l'alcool, de la caféine et des abus alimentaires, soit, d'accord, pourquoi pas, associé à de la phytothérapie et à l'homéopathie. Et là, c'est un peu dommage, pour l'homéopathie, si vous êtes curieux, la tronche en biais contient toute une série de vidéos que vous pouvez consulter, c'est gratuit, et puis j'ai également un livre sur la question qui me semble tout à fait bien écrit, fort intéressant, en plus qu'il est très très bleu. Il est très très bleu ce livre, donc achetez-le. Après un bref succès, dès les années 1930, la naturopathie décline aux États-Unis, car des études médicales fédérales la décrivent comme une pseudo-science sans efficacité. Cependant, la naturopathie a entre-temps conquis une partie du public, allemand et suisse, préparé par l'idéologie de la Lebensreform et l'ésotérisme théosophique. La Lebensreform, traduction la réforme de la vie, prône un retour à la nature. C'est un peu le précurseur du mouvement hippie. Il promeut le végétarisme, notamment par attrait orientaliste, et tout un tas de médecines dites naturelles. L'Allemagne est le premier État européen à instituer un diplôme de naturopathie dès 1939. Après-guerre, la naturopathie s'installe progressivement en Angleterre et en France, puis regagne les États-Unis à la faveur du mouvement New Age. Le Collège européen de naturopathie traditionnelle holistique, le CNATO, définit la naturopathie comme la synthèse des méthodes naturelles de santé à vocation préventive, éducative et pédagogique. Cette discipline promouvant également l'éducation à la santé dans les troubles mineurs. Pour sa pratique, le naturopathe dispose de 10 techniques qu'il utilise en synergie. 1. La nutrition, hydrothérapie du côlon et le jeûne, l'exercice physique, la gestion du mental, relaxation, sophrologie, on y reviendra, psychothérapie brève, etc. L'hydrologie, avec la balnéothérapie notamment, la biokinésie, c'est-à-dire la gymnastique des organes,
la réflexologie, les techniques manuelles comme la chirologie, la phytologie, donc phytothérapie, aromathérapie et gémothérapie, la pneumologie, attention, pas confondre, là c'est la technique respiratoire empruntée au yoga, aux arts martiaux et à la méthode de plainte ou au bol d'air jacquier, hein, donc rien à voir. Et enfin, le magnétisme et l'actinologie, c'est la science de l'action de certains rayonnements naturels, comme ceux du soleil, de la lune ou des vibrations émises par les couleurs ou les sons. La naturopathie est notamment indiquée dans les cas suivants. Elle aide à lutter contre le cholestérol, à lutter contre les agents infectieux. Elle soulage les symptômes du syndrome prémenstruel. Grâce à la naturopathie, on peut perdre du poids. Elle renforce le système immunitaire et lutte contre les allergies. Elle lutte contre l'arthrose. Elle aide à l'arrêt du tabac. Ma feuille est finie, mais j'en ai une autre. La naturopathie renforce ou restaure la vitalité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle permet une meilleure gestion du stress, anxiété, dépression, insomnie, spasmophilie. La naturopathie est efficace contre la fatigue chronique, contre le burn-out, contre les pathologies cutanées, acné, eczéma, psoriasis, mycose, contre les troubles digestifs, constipation, diarrhée, ballonnement, contre les troubles hormonaux, dysménorrhée, ménopause, contre les troubles respiratoires, contre les troubles circulatoires, varices, phlébite, hémorroïdes, contre le diabète, contre la goutte, etc. C'est épatant à quel point la naturopathie peut absolument tout soigner et donc dispose de tout un tas de choses sur lesquelles on doit disposer de preuves. On va y revenir plus tard. La naturopathie prétend que les symptômes pathologiques, toux, fièvre, éruption, etc., sont des crises de purification humorale et d'élimination toxique. La naturopathie aurait le pouvoir d'aider cette purification. Cette théorie des humeurs conduit les naturopathes à embrasser la vision d'Antoine Béchamp, contemporain et adversaire de Louis Pasteur, pour lequel les maladies infectieuses n'ont pas pour origine les microbes contagieux, mais une mauvaise hygiène de vie, ce qui conduit un certain nombre d'entre eux à rejeter les vaccins et à nier l'origine virale du sida. On a encore aujourd'hui, on en a vu pendant la crise, des gens qui prétendent que les maladies épidémiques ou pandémiques ne sont pas le résultat de l'action pathologique de pathogènes, de virus, mais d'autres choses. C'est dans la continuité de cette croyance que la naturopathie s'inscrit. Pour les naturopathes, et notamment pour le plus célèbre d'entre eux, on en a déjà parlé sur la chaîne, Thierry C., le cancer ne peut pas vous tuer si vous comprenez qu'il s'agit d'un message de votre corps qui vous demande d'améliorer votre hygiène de vie afin de rééquilibrer votre organisme en retrouvant une bonne homéostasie. Voilà les conséquences logiques des idées de la naturopathie. Quelle est l'efficacité de la naturopathie? Après tout, peut-être que ça marche quand même. La banque de données médicale PubMed référence plus de 1600 études dans lesquelles apparaît le mot naturopathie. En réalité, le nombre de publications spécifiquement dédiées à cette approche est beaucoup plus limité. La remarque vaut également pour les méta-analyses qui vont avoir un regard synthétique et complet sur l'impact réel des travaux dans la prise en charge des patients. Après étude de 25 documents, une seule méta-analyse concerne réellement ce domaine et porte sur l'effet de l'aromathérapie dans la dépression post-partum. Dans la conclusion du travail, on peut lire ceci, ouvrez les guillemets, « Le nombre de preuves scientifiques actuellement disponibles est très limité et davantage d'études avec des plans d'études robustes sont nécessaires pour recommander l'aromathérapie dans la gestion des dépressions post-partum. » Ceci est à mettre en regard avec un rapport du département de la santé et des services sociaux des États-Unis, publié en 1968, pas récent, hein, et qui dénonce l'absence de fondements empiriques comme théoriques de la naturopathie, ainsi que son absence d'efficacité clinique et invite à son éviction des systèmes de sécurité sociale. Depuis, il s'est écoulé un peu plus de 60 ans. Plus récemment, dans une série de cours sur la médecine fondée sur les sciences, la médecin et analyste scientifique américaine Harriet Hall décrit la naturopathie comme un système mal défini basé sur une mythologie vitaliste
Il combine des mesures de santé et de nutrition de bon sens et l'utilisation rationnelle de quelques herbes avec une grande variété de pratiques non scientifiques et un double langage antimédical. Selon elle, les éléments positifs de la naturopathie ne sont pas différents de ce que prescrit la médecine conventionnelle et les éléments s'écartant de cette dernière n'apportent rien de positif et sont potentiellement dangereux. Donc, ce que la naturopathie fait de bien, on le fait bien ailleurs, et ce qui est spécifique à ce qu'elle fait, il faut s'en méfier au moins un petit peu. Les naturopathes parlent souvent de toxines que leur pratique aiderait à éliminer. Ces toxines sont des substances dont ils ne disent jamais rien. On parle de colle, parfois, et de cristaux. C'est des mots vagues. On ignore le nom des molécules, leur composition, leurs propriétés, leurs effets. La prochaine fois que vous parlez avec un ou une naturopathe, demandez-lui d'être plus spécifique sur ce que serait ces toxines bien mystérieuses. Si il ou elle sait de quoi il ou elle parle, la réponse est simple. Mais si la réponse demeure vague en forme de « mais ce sont des toxines, ce sont des substances pas bien, pas gentilles », peut-être que cela peut vous inciter à vous poser des questions. En 2019, le ministre des Solidarités et de la Santé précisait devant l'Assemblée Générale, j'ouvre les guillemets, il n'existe pas actuellement en France de reconnaissance des naturopathes en tant que professionnels de santé. Au même titre que d'autres activités, la naturopathie fait partie des pratiques dites non conventionnelles. En l'absence de données probantes, elle ne peut pas être reconnue au plan scientifique ni relevée d'une profession de santé. Le rapport de la commission d'enquête Dérives thérapeutiques et dérives sectaires réalisé par le Sénat en 2013 pointe à plusieurs niveaux du texte le problème de la naturopathie. De même, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes, dans son rapport de 2009, consacrait 2 pages entières aux problèmes posés par la naturopathie en matière de dérives thérapeutiques, voire sectaires. L'année suivante, elle précise, 2 points ouvrez les guillemets, cette méthode soignerait les causes de la maladie quand le médecin ne s'attaque qu'aux seuls symptômes. Cela peut prêter à sourire devant le caractère simpliste de la pensée, mais certains naturopathes se prennent très au sérieux tout en se mettant en situation d'exercice illégal de la médecine avec un très faible bagage scientifique, comme le prouve leur site internet. La Miviludes souligne de nouveau le caractère problématique de la naturopathie dans son guide Santé et dérives sectaires publié en 2018. Position des autorités de santé et de l'État. En juin 2023, le Conseil national de l'Ordre des médecins, dans son rapport « Les pratiques de soins non conventionnels et leurs dérives » pointe également sévèrement à la naturopathie. Il est à noter que tant la Commission d'accès aux documents administratifs, le CNOM ou la justice ont eu à statuer sur 345 affaires touchant la naturopathie. La réalité vient malheureusement confirmer les mises en garde régulièrement réalisées par les instances de santé et l'État, avec de nombreuses affaires portées en justice et concernant la pratique des naturopathes. La pratique de la naturopathie conduit à des dérives thérapeutiques, voire sectaires, gravissimes, ouvrant à des poursuites et condamnations pour exercice illégal de la médecine, abus de confiance, pratiques commerciales trompeuses et infractions économiques et financières. On pourrait citer les recommandations criminelles d'Irène Grosjean, qui conseille des attouchements sexuels sur des enfants pour faire tomber leur fièvre. On pourrait citer le naturopathe d'Indre-et-Loire, Éric Gandon, qui encourt 3 ans de prison, poursuivi pour homicide involontaire suite à plusieurs décès consécutifs à des stages de jeûne hydrique qu'il organisait. On pourrait citer encore un autre, Miguel Barthélery, qui est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour le décès de 2 de ses clients atteints de cancer. Il reçoit une interdiction d'exercer, et pourtant il continue d'avoir 100 de clients à qui il conseille de soigner leur tumeur, ainsi, 2 ou 3 purges, et c'est réglé. Les témoignages de proches de victimes décédées après avoir suivi des conseils de naturopathes ne sont, hélas, pas rares. En conclusion, la naturopathie
est une approche non validée par la science, relevant au mieux du bien-être, mais qui peut s'avérer onéreuse tant en coût de formation à la technique que pour les clients. De plus, cette pratique peut contribuer à assujettir les personnes et retarder une réelle prise en charge médicale en détournant les patients des soins conventionnels. Ceci conduit alors à des pertes de chances de guérison qui peuvent s'avérer dramatiques. La naturopathie est généralement pratiquée sur un mode religieux ou spirituel, où le mantra est qu'il faut nettoyer votre corps. Cette obsession de la pureté, de la purification, très religieuse donc, est aussi porteuse du message que le corps est sale, qu'il est incapable de rester en bonne santé sans un régime sévère, strict. Au cœur du discours, toujours présente même quand elle n'est pas formulée, se trouve l'idée que le malade est responsable de ce qui lui arrive. Il a fait le choix d'une mauvaise hygiène, c'est sa faute. Et en blâmant les malades pour ce qui leur arrive, le croyant se rassure. Il se dit que puisqu'il fait les bons choix, bah lui, il va rester en bonne santé. Et cette rhétorique qui s'installe, qui est trompeuse, parfaitement trompeuse, bah, elle risque de l'accompagner vers une possible dérive qui l'éloigne des pratiques de soins validées, solides, fiables. Les pratiques de soins non conventionnels, ce n'est pas un petit problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien. Partagez le contenu s'il vous semble utile et pertinent, mais n'espérez pas déconvertir les gens en leur envoyant une vidéo. Si des gens autour de vous croient à ces choses-là, parlez avec eux, discutez, soyez ouvert d'esprit, mais ferme dans vos positions, soyez sourcé dans ce que vous dites, ne vous moquez pas des gens et ne leur envoyez pas des vidéos avec un commentaire qui dit « Ce que tu crois, c'est trop débile, regarde, voici la preuve. » Ne faites pas ça, ça ne marche pas. Et vous passez pour un imbécile, et moi aussi avec vous. Alors, faisons mieux que ça. Merci encore. À très bientôt, des bisous. Il y aura d'autres vidéos qui parlent de pratiques de soins non conventionnels, juste très bientôt. Là. Ça arrive. Bisous.